Libérer vos blessures ne suffit pas pour être libre de votre passé et changer votre réalité de vie. Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule dans laquelle je vous partage davantage la compréhension du mécanisme humain. C'est hyper important que vous puissiez comprendre votre propre mécanisme pour que vous puissiez adopter les outils nécessaires pour votre propre transformation. Alors, je vous en parle parce que beaucoup de personnes dans mes programmes sont toujours surpris parce que, justement, ils ont déjà pratiqué beaucoup de choses, mais malgré tout, ils n'arrivent pas à enclencher la transformation qu'ils désirent vraiment, ou ça prend vraiment beaucoup de temps. Pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup d'entre vous, vous fonctionnez à l'envers, ou maladroitement, ou sans compréhension du plan global. Donc j'espère justement que cette capsule va vous aider à avoir une meilleure compréhension. Alors il y a une chose que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Libérer de vos blessures ne va pas suffire pour vous permettre de changer de réalité de vie et d'être libre de votre passé. D'accord. Pourquoi? Pourquoi? Alors il y a déjà une chose, c'est que savoir identifier vos blessures, c'est important. Il y a un moment donné de votre processus où ça ne sera pas nécessaire. Mais dans un tout premier temps, on a besoin de se comprendre. On a besoin de comprendre d'où viennent nos blessures et qu'est-ce qui fait que d'une manière ou d'une autre, on est enfermé dans des situations qui reviennent de manière répétitive. Effectivement, pour certaines personnes en tout cas, vous avez peut-être pu avoir une enfance dans laquelle vous avez grandi dans la culpabilité de ne pas être une bonne personne, de n'avoir pas fait assez comme il fallait, qui fait que vous êtes déjà dans une vibration de culpabilité d'être qui vous êtes vraiment. Donc effectivement, comprendre votre passé, comprendre vos blessures, savoir les identifier, ça peut être important pour nourrir votre besoin de compréhension de vos blessures, des situations que vous traversez. Et vous allez très vite voir que libérer vos blessures, qu'est-ce que ça veut dire libérer vos blessures? Alors attention, il n'y a pas de jugement, je suis passée par là aussi, j'ai aussi lu le livre de Lise Bourbeau, j'ai aussi voulu me libérer de mes blessures d'une manière ou d'une autre, hein. Ça peut être libéré par des soins énergétiques, libéré à travers une analyse et une compréhension, ça peut être aussi libéré à travers des processus de déprogrammation. Et pourtant, rien de tout ça va suffire. Pourquoi? Parce que quand on parle de blessure, c'est qu'on parle d'une contraction physique qui vous fait mal, d'une contraction émotionnelle qui vous fait mal. Et quand on dit « je veux libérer de la blessure », c'est que je veux libérer de cette chose qui me fait mal, qui me bouffe physiquement, pour que je puisse retrouver de la détente et pour que ça soit calme et beaucoup plus doux pour moi. Mais il y a une différenciation entre se débarrasser de cette contraction émotionnelle et de cette souffrance émotionnelle qui se ressent physique et changer votre réalité de vie, changer de version de vous-même, changer de personnage. Il y a une grande différence, d'accord? Vous, quand vous libérez une blessure, c'est comme si vous vous libérez d'un point. Mais ce point-là, ce n'est pas l'objet en question, d'accord? C'est comme si, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est comme si vous avez un ballon, d'accord? Et vous vous dites, moi j'ai envie de me libérer d'une blessure. Une blessure c'est un point, c'est un morceau du ballon, mais ce n'est pas le ballon entier, quoi. Ce qui veut dire que si vous avez envie d'être libre de cette blessure du passé, vous avez besoin de changer de ballon, vous avez besoin de changer d'objet, vous avez besoin de changer de version de vous-même. Donc vous avez besoin de changer d'état d'être. La blessure, c'est une parcelle de vous, mais ce n'est pas, il y a une différenciation, ce n'est pas le personnage, c'est différent. Mais en réalité, c'est le personnage qui est un personnage qui a été un personnage construit de par votre passé, qui est le personnage de souffrance et donc le personnage de survie. C'est ce personnage-là que vous avez besoin de sortir de ce personnage-là. Être libre de son passé, c'est sortir de ce personnage-là. La blessure, c'est une parcelle, c'est un point. Mais c'est tout en fait.
C'est ce point-là qui génère une contraction à l'intérieur de vous. Donc, même si vous avez de la compréhension, vous allez ramener de la détente, mais que vous maintenez le personnage de souffrance qui est le personnage de survie, qui est la personne qui est rejetée, abandonnée, trahie, humiliée, si ce personnage-là est toujours là, vous avez juste, quand vous dites « j'ai guéri de mes blessures », vous avez juste amené une contraction, une décontraction par rapport à une souffrance émotionnelle, c'est tout. Mais si ce personnage-là est toujours là, ben c'est cette vibration du rejet, de l'abandon, de la trahison qui vibre encore à l'intérieur de vous, qui prend les décisions dans toutes choses dans votre vie au quotidien. C'est cette personne-là qui voit à travers les filtres de ses blessures la vie au quotidien. Donc en fait, votre problématique n'est pas tant la blessure, c'est ce personnage qui s'est construit et qui drive votre vie au quotidien. C'est ça qui pose problème, c'est ça que vous avez besoin de transformer. Donc en fait, c'est ce qui veut dire que si vous avez vraiment envie de sortir de votre passé, c'est ce qu'on fait dans le programme Une Nouvelle Vie, hein, justement, parce que ce programme Une Nouvelle Vie, c'est un programme qui vous permet de changer, d'être libre de votre passé et donc de changer de karma, de changer de ligne de vie, parce que là, vous laissez votre passé de côté, mais quand on dit ça, c'est une façon de dire il y a nécessité de changer, de sortir de ce personnage de souffrance, de sortir de ce personnage de survie pour revenir à qui vous êtes vraiment, en fait, pour révéler qui vous êtes vraiment, pour vous reconnecter à vos propres désirs, à vos propres besoins, à vos propres limites, pour qu'il y ait une nouvelle version de vous dans une vibration nouvelle qui, justement, dans ce nouveau personnage, va pouvoir construire, de par sa vibration intérieure, un nouveau paradigme sur mesure, une nouvelle réalité sur mesure. Et là, vous changez de vie. Vous changez de vie parce que vous n'êtes plus la même personne. Vous changez de vie parce que vous n'allez plus avoir les mêmes désirs. Vous n'allez plus avoir les mêmes angles de vue. Vous n'allez plus être branché sur les peurs ou la peur de blesser l'autre. Mais vous allez vous brancher sur l'importance de vos besoins, de vos désirs et de vos limites. Ce n'est plus la même chose. D'accord ? Donc vous n'allez plus vous brancher sur les mêmes choses. Très souvent, le personnage de survie est souvent branché sur le regard de l'autre, la peur du regard de l'autre, le désir d'approbation, de reconnaissance, le désir d'être aimé. Donc forcément et naturellement et automatiquement, ce personnage de souffrance fait que l'autre devient important. Ce que pense l'autre, ce que ressent l'autre est plus important que ce que vous ressentez vous-même. Ça, c'est le personnage de souffrance. Alors vous allez dire, je vais aller guérir ma blessure de rejet. Alors vous allez guérir la blessure de rejet avec le parent du même sexe, d'accord ? Vous pouvez déprogrammer la blessure de rejet, mais si la personne qui se réveille le matin, c'est toujours vous, vous-même, avec vos mêmes automatismes, avec la même lecture que vous avez de la vie, où vous allez vous sentir rejeté, où ce personnage-là est toujours habite votre corps et votre vie, vous voyez bien qu'il n'y a rien qui va changer. D'accord ? Donc vous avez avant tout, guérir de vos blessures ne suffira jamais. En tout cas, c'est mon point de vue personnel. Vous avez avant tout besoin de changer de personnage. Vous avez besoin de changer de version de vous-même. Et ensuite, vous avez besoin de déprogrammer. Là, vous allez progressivement déprogrammer les mécanismes qui vous empêchent d'être cette nouvelle version de vous. Vous allez reprogrammer votre système. Vous allez reprogrammer votre système à partir de ce que vous désirez vivre sur mesure, de cette nouvelle version de vous. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une vraie transformation qui se passe. D'accord ? Donc, si vous, aujourd'hui, vous avez soif de sortir de votre passé et de changer votre destin, changer votre ligne de vie, si vous ressentez que c'est urgent pour vous aujourd'hui et c'est le moment de vivre la vie que vous désirez vraiment, ce qui est important pour vous, la vie, vivre votre vie pour vous, alors il y a un programme, le programme Une Nouvelle Vie, qui est à votre disposition et qui vous permet de faire ce shift, on va dire,
qui vous permet de vous offrir cette nouvelle vie que vous désirez vraiment. Donc si cela vous intéresse, contactez-moi directement, je serai vraiment ravie de vous parler de ce programme, de vous donner de plus amples détails sur ce programme, mais sachez en tout cas que vous n'êtes pas enfermé dans votre passé et qu'il y a que guérir de vos blessures. Vous pouvez perdre votre temps, oui, effectivement, à faire ça, mais qu'il y a que vous avez besoin de comprendre la mécanique de l'humain pour vous bien comprendre que vous avez besoin, en termes de libération, vous avez besoin de changer de structure identitaire pour pouvoir construire une nouvelle vie. Voilà. J'espère que ces mots-là vous aideront. Dans tous les cas, je reste aussi à votre disposition si vous avez des questions. Et puis, je vous dis à très vite de l'autre côté pour ceux qui sont intéressés par le programme Une nouvelle vie qui commence en septembre. Et actuellement, il reste 4 places. Voilà, je vous dis à très vite.